Donc vous avez envie d'acheter un Jeep Cherokee d'occasion, c'est vraiment une super idée. Le Jeep Cherokee, c'est vraiment un véhicule qui est fantastique. C'est un véhicule qui coûte pas très cher à l'achat. C'est aussi un véhicule qui coûte pas très cher à l'entretien. Et puis aujourd'hui, on trouve absolument toutes les pièces de rechange pour ce véhicule. Donc techniquement, c'est pareil, c'est un véhicule qui est pas très compliqué. C'est relativement simple. Donc même si vous n'avez pas des connaissances en mécanique ou en voiture, c'est un véhicule sur lequel vous allez pouvoir apprendre, et ça c'est très important. Bon, cependant, avant de vous lancer là-dedans, il y a quand même beaucoup de choses à vérifier, donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans la vidéo. Donc voilà, typiquement, vous avez vu une annonce sur le Bon Coin, voilà, le mec se pointe avec sa Jeep et bah voilà, vous y connaissez pas forcément grand chose. Voilà, dans cette vidéo, je vais vous montrer quels sont les points importants à regarder, et puis pour essayer de trouver des défauts pour que au moins vous sachiez réellement l'état du véhicule que vous allez acheter. Donc encore une fois, même si vous achetez un véhicule avec des défauts, bon, c'est pas forcément grave. Après, c'est à vous d'évaluer si vous êtes capable de les réparer ou pas, et vous devez voilà aussi évaluer rapidement le coût des réparations pour pouvoir éventuellement négocier avec le vendeur. Voilà, il est bien d'avoir un minimum de connaissances en mécanique. Il est bien de savoir manier une clé à cliquet et un cri, voilà, parce que forcément un jour ou l'autre, il y a un truc qui va partir en sucette et vous allez forcément devoir mettre les mains dedans. Voilà, même si quand vous l'achetez, il est parfait, il a le contrôle technique, voilà, tout est nickel, impeccable. Bah forcément, un jour vous allez avoir un problème, de rotule, de pivot, de roulement, d'arbre de transmission, de boîte de transfert. Voilà, il y a beaucoup de choses dans ce véhicule qui nécessitent quand même un entretien régulièrement. Voilà, évidemment, je parle des vidanges de moteur, vidanges de boîte automatique, vidanges de boîte de transfert, vidanges de pont. Donc c'est vraiment important d'avoir un endroit tranquille où vous pouvez bosser, voilà, pour faire vos réparations et votre entretien. Donc pour la visite de votre Cherokee, il est bien de venir la préparer. Il faut avoir une paire de gants et une torche à LED assez puissante. Hein. Voilà, ça c'est super important pour bien voir en dessous comment c'est. Et puis les gants, voilà, vous allez attraper les arbres de transmission, les barres de direction pour voir s'il y a du jeu. Donc voilà, c'est bien d'avoir des gants. Et puis voilà, il faut avoir une tenue de combat. Hein. Faut pas venir saper comme un prince, parce que sinon ça va pas le faire, quoi. Il faut aussi prendre son temps. Il faut tout regarder, il faut être évidemment très attentif à l'attitude du vendeur. Donc très sûr de lui, c'est pas bon. Et comment dire, un peu hésitant, pareil, c'est pas bon, quoi. Donc il faut essayer de savoir si le véhicule est entretenu régulièrement, vidange moteur, vidange de boîte, vidange des ponts, pour se faire une idée des travaux qu'il va y avoir à faire dessus. Et puis voilà, si le vendeur vous dit: ah ouais, si j'ai fait la vidange régulièrement tous les 6 mois et tout. Ah ouais, t'as mis quoi comme huile? Ah bah ouais, tu voilà. Si tu fais ta vidange tous les 6 mois, bah tu sais exactement ce que tu mets comme huile. Enfin voilà, il faut essayer de titiller un peu le vendeur pour savoir ce qu'il y a derrière, et si réellement comment dire, le moteur a été entretenu ou pas. On va commencer. Donc déjà, il faut comment dire, essayer de regarder l'aspect général du moteur, voir s'il n'y a pas de trucs un peu bizarres qui ont été modifiés, essayer de voir s'il n'y a pas des fuites, ou dans quel état sont les durites. Enfin, voilà, faut avoir l'œil un petit peu critique. Et c'est pareil, on voit que j'ai le joint de cache-culbuteur. Je pense qu'il a beaucoup fui, mais maintenant il fuit plus. Mais là ici, voilà, on voit que l'huile qu'il y a ici, elle est toujours un petit peu brillante. Donc là, voilà, on voit que le joint du cache-culbuteur est pas étanche. Mais bon, voilà, ça c'est pas grave, tant que ça pisse pas par terre, tant que ça coule pas beaucoup, c'est pas grave, voilà. Donc on va dire que le mien il suinte légèrement, mais bon, c'est pas top si on regarde plus derrière là-bas. Bon voilà, de ce côté là tout ça c'est sec. Donc c'est pareil, il faut regarder les durites du liquide de refroidissement, si elles sont en bon état. Pareil, tant qu'on est là, la courroie, ici il faut regarder la courroie, s'il n'y a pas de craquements qui sont apparents, si elle n'est pas usée sur les bords. Ensuite, on essaye de faire tourner à la main l'hélice
l'hélice du ventilateur. Donc l'hélice, elle doit tourner relativement librement, mais elle doit pas tourner toute seule en fait. Quand tu la lances, elle doit s'arrêter. Si elle s'arrête pas, si elle continue de tourner, c'est que le coupleur à l'intérieur il est mort. Bon, c'est pas grave, mais voilà, il faut le savoir, parce que s'il est mort, le refroidissement est pas bon. Donc ça, c'est la pompe de liquide de direction. Là, c'est pareil, il faut regarder s'il n'y a pas de fuite ici au niveau des durites, derrière, en dessous. Voilà, il faut bien regarder si tout est sec, hein. Bon, voilà, le mien, évidemment, là-dessus, il est nickel, tout est sec là-dessus. Voilà, bon, de ce côté-là, il n'y a pas grand chose à dire. Regardez s'il n'y a pas de fuite au niveau des injecteurs. Mais bon, voilà, s'il y a une fuite au niveau des injecteurs, ça va sentir l'essence. Donc ça, c'est des signes qui sont très parlants. Ensuite, au niveau du maître cylindre, bah là c'est pareil, hein. Bon, évidemment, s'il y a une fuite, la pédale va être molle, tout ça, ça va se ressentir tout de suite. Mais bon, c'est bien de regarder quand même, de jeter un œil. Faut pas hésiter à ouvrir le verre du maître cylindre pour voir la tête du liquide de frein. Voilà, bah, évidemment, le mien il est en. Il est en bon état, c'est normal parce que j'y fais attention. Ensuite, il faut regarder de ce côté-là. Bon, déjà, le distributeur, voilà. Bon, moi, le distributeur, je l'ai changé il n'y a pas longtemps. Les câbles de bougie, c'est pareil. On voit qu'ils sont en bon état parce qu'ils ont été remplacés il n'y a pas longtemps. Donc, tout ça, voilà, c'est des signes qui montrent que le véhicule est bien entretenu. On voit, bon, je ne sais pas si ça ressort à la caméra, mais voilà, on voit le tuyau des bougies qui est brillant, qui est tout propre. Donc il faut aussi surveiller au niveau du support de filtre à huile ici. Bon, là c'est pareil, il y a des fuites, bon, du dessus ça va pas forcément se voir, mais tout à l'heure quand on va aller en dessous, évidemment, s'il y a une fuite, ça se voit tout de suite. Donc il faut regarder le niveau du liquide de refroidissement. Donc le niveau il doit être à peu près à ce niveau là donc ça c'est un Ronix, hein, le bocal de liquide il est en haut, et c'est pas la peine de chercher le bouchon du radiateur, parce que tout simplement il n'y a pas de bouchon de radiateur. Donc le radiateur il est là-dessous derrière, mais il n'y a pas de bouchon. Le remplissage se fait par ici, et bon, c'est un peu galère à purger. Il faut aussi regarder les supports moteurs. Donc les supports moteurs, c'est ce qu'on voit là ici. Il faut regarder si les caoutchoucs sont pas craqués, si le support moteur est à peu près en bon état. Donc là sur le mien ici, on voit qu'il y a une légère craquelure ici à ce niveau-là, mais bon, ça c'est pas bien grave. De l'autre côté, on peut pas le voir parce qu'il est sous l'admission. Donc moi ici c'est le voilà, ici c'est le bins, hein. Évidemment, il y a de la boue, tout ça, quand... bref. Et pareil, si vous voyez des fils électriques qui passent d'un côté à l'autre du véhicule, bah, ça veut dire que le véhicule a été modifié. Et puis bien sûr, il faut que le moteur démarre bien. Il faut qu'il n'y ait pas d'à-coups dans le moteur, hein. Il faut que le moteur soit stable, hein. Si ça secoue toute la Jeep quand il tourne sur le ralenti, c'est que c'est pas bon, c'est qu'il y a un problème. Il faut que le ralenti soit stable, il faut que le ralenti soit en gros à 700-750 tours minute. Il faut pas que l'aiguille du contour pareil saute trop, parce que sinon c'est pas bon, ça veut dire qu'il y a un souci. Voilà, après si vous sentez capable de le remettre en marche, voilà, tu dis au vendeur, bon bah voilà, ton truc il tourne pas rond, moi je te l'achète pas ce prix là, je te le prends à temps, quoi. Voilà. Enfin, voilà, tout ça c'est des choses qui peuvent vous aider à, comment dire, à négocier le prix. Sous la Jeep, sous la boîte de vitesse, donc il faut regarder l'aspect général du carter. Il faut regarder s'il n'y a pas de méchantes traces d'huile de partout. Donc même s'il est de 90 ou de 89, ça doit être sec de partout. Il ne doit pas y avoir de projection d'huile sous la voiture. Donc là typiquement ici. Sur le mien, si vous regardez, ben voilà, là on voit le support de filtre à huile qui est évidemment qui est gras, mais il est gras, c'est pas parce qu'il fuit, c'est parce que j'ai fait la vidange il y a je sais pas, peut-être un mois ou un truc comme ça. Et voilà, quand tu défais le filtre, ben évidemment il y a de l'huile qui coule sur le porte-filtre. Donc voilà, ça il faut faire attention. Donc, il faut aussi regarder les nez de pont. Donc là c'est pareil, si tu as une fuite ici au niveau du joint du nez de pont, ben voilà, ça c'est pas bon, c'est chiant, parce qu'il faut déposer le yoke. Enfin bon, voilà, ça c'est une galère. Donc ça il faut vraiment surveiller les fuites ici au niveau du nez de pont. Les autres fuites aussi sur le Cherokee, c'est ici. Donc c'est comment dire, c'est le joint de vilebrequin. Bon là c'est pareil, hein, si le joint se met à fuir, et bien souvent il se met à fuir,
Bon, c'est pas compliqué, mais bon, voilà, c'est galère si tu viens t'acheter ta Jeep et au bout de 6 mois, elle se met à pisser l'huile par ici, par le joint arrière de Villebrequin. C'est une galère, il faut déposer le carter, il faut déposer les roulements du Villebrequin. Enfin bon, voilà, ça, il faut. Ici, il faut que ça soit sec. Voilà. Voilà, ensuite, il faut regarder les tirants de pont, tout ça, s'il n'y a pas trop de jeu, il faut regarder les cylindres blocs. Au niveau du pont, voilà, il faut que tout ça soit en bon état. Voilà, si vous pouvez, c'est pareil. Donc ça c'est bon, c'est du jeu normal en rotation. Il y a toujours un peu de jeu. C'est la chaîne de la boîte de transfert qui, comment dire, qui se tend et qui se détend. Mais bon, voilà, l'arme de transmission, tout ça, ça doit être solide. Et il doit pas y avoir de jeu. Il y a toujours un petit poil de jeu au niveau des roulements à sortie de boîte de transfert. Mais ici, il doit pas y avoir de. Il ne doit pas y avoir de jeu, ça ne doit pas faire de clac-clac ou rien du tout. Donc tant qu'on est à l'avant, bah, c'est pareil, il faut regarder au niveau des freins si tout est en bon état. Il ne faut pas qu'il y ait de traces d'huile ici parce que ça veut dire que le joint d'axe de roue est défectueux et que tu as de l'huile qui coule par ici. Donc ça c'est pareil, c'est pas grave. Hein. Le joint ça doit coûter que dalle, ça doit coûter 10 balles, mais bon c'est pareil, il faut démonter le roulement, déposer les freins, sortir l'axe, enfin les deux axes, tout ça, et puis remplacer le joint. Donc voilà, quand tu viens t'acheter ta Jeep, si tu te retrouves avec une fuite ici, bah c'est galère. Voilà, tout en sachant que de toute façon, il y a de fortes chances pour qu'un jour ou l'autre, tu sois amené à remplacer ces joints, parce que c'est quand même des trucs qui sont assez fragiles, surtout si tu fais du tout-terrain. Donc pareil, les rotules et les pivots. Donc ça, c'est cette pièce-là. Évidemment, c'est pas évident de savoir s'il y a du jeu ou pas. Voilà, quand tu vas visiter un véhicule et que tu fais un essai sur un parking de supermarché. Mais bon, quand tu conduis, voilà, ça tu le sens, tu peux le sentir dans la direction. S'il y a, comment dire, si tu sens que la direction est un petit peu bizarre et si le volant se met à trembler, voilà, tout ça peut venir des pivots. Donc les pivots, c'est pareil, c'est pas. Ça coûte pas très cher, mais putain, c'est chiant à défaire. Il faut des outils quand même assez spéciaux, donc il faut regarder les durites de frein aussi. Il faut que tout ça soit en bon état. Faut pas qu'il y ait de traces de coulure. Évidemment, si tu fais une visite un jour où il pleut, bah tout ça, tu peux des fois difficilement le voir parce que tu vas pas te mettre par terre dans la flotte pour regarder le véhicule. Mais bon, voilà en gros ce qu'il faut savoir et regarder sur l'avant. Donc c'est pareil, hein, si vous voyez d'autres choses, n'hésitez pas à mettre les infos dans la description. Il n'y a pas de souci avec ça. Ça va aider tout le monde, quoi. Donc là, on est au niveau de la boîte de transfert. Donc c'est pareil, hein, tout doit être, comment dire, absolument sec sur la boîte de transfert. S'il y a des traces comme ça, bon là ici c'est au niveau de la vis du bouchon de vidange et de remplissage. Donc là c'est bon, c'est pareil, c'est normal. Si tu fais ta vidange régulièrement, ici il y a toujours des traces d'huile. Moi j'en ai ici, mais c'est parce que je fais le remplissage ici normalement par cet orifice là. Mais bon, comme je fais du tout terrain et que j'utilise de l'huile moteur dedans, je fais un remplissage aussi pour en avoir un petit peu plus, pour avoir un niveau un peu plus haut dans la boîte de transfert. Je fais le remplissage ici par le speedo. En fait, ça c'est le capteur de vitesse. Donc ça ici c'est pareil, ça doit être sec. Donc là ici il y a un joint qui fait l'étanchéité entre l'arme de transmission et la boîte de transfert. Là si vous regardez bien ici, j'ai des projections de graisse, mais ça c'est pas lié à, comment dire, une fuite ici. Ça c'est le surplus de graisse comment dire, des croisillons qui, quand je roule évidemment, est projeté autour. Donc voilà, ça c'est normal. Évidemment, si là on voit bien que c'est juste en face du croisillon, si vous avez de la merde ici juste en face de la sortie, bah, ça veut dire que le joint ici c'est pareil, est défectueux. Donc même chose, hein. Tout ça doit être rigide, il ne doit pas y avoir de jeu nulle part, donc il faut pas hésiter à prendre l'arme de transmission et à le secouer à deux mains bien fort pour essayer de trouver, de voir s'il y a du jeu. Pareil ici à l'avant, donc ça c'est normal, hein, qu'il y ait du jeu comme ça en rotation, mais par contre en axial, tout ça doit être béton. Ça ici, c'est le, comment dire, c'est le, il y a un petit téton avec un ressort en fait qui fait l'écran pour les passages pour les changements de mode sur la boîte de transfert. Donc ça c'est pareil ici, ça doit être, il ne doit pas y avoir d'huile. Donc là,
Là ici on voit que le mien il est pas super étanche parce que voilà la merde ici s'en va facilement. Donc là ça veut dire qu'il y a un léger il y a un léger suintement. Mais bon c'est pareil, je l'ai démonté il n'y a pas si longtemps que ça. Bon bref, enfin voilà. Donc on va regarder la boîte automatique, donc là c'est pareil, hein. Le carter il doit être absolument sec. Hein, faut faire attention parce que si le véhicule a quand même roulé, ça peut être relativement chaud, donc c'est pour ça que c'est important de porter des gants pour pas se brûler. Là ici on a le bouchon de vidange. Donc ça c'est le speedo de la boîte de transfert qui passe ici. De l'autre côté, on a les durites donc qui vont au radiateur. Donc moi j'ai isolé des durites avec un isolant thermique parce qu'elles sont juste derrière l'échappement, mais bon tout ça c'est pour éviter que ça monte trop haut en température. Mais bon voilà, c'est sec partout. Ça c'est le support de transmission. Donc là c'est pareil, il faut regarder s'il n'y a pas d'écrasement ici ou des trucs bizarres, mais voilà le mien est en bon état. En fait il a été remplacé il n'y a pas longtemps. Ça c'est la tringlerie de la boîte de transfert. Donc moi je l'ai modifié un petit peu parce que comment dire, elle est un petit peu plus basse que sur un Cherokee d'origine. Donc je j'ai baissé le point ici de rotation de l'axe pour que ce soit dans l'horizontale. Mais bon voilà, comment dire, la tringlerie elle doit être dans cet état-là. Évidemment, il faut aussi essayer la boîte de transfert comment dire, quand vous faites l'essai, mais bon ça on va le voir tout à l'heure. On va aller vers l'arrière maintenant. Donc là c'est pareil, il faut regarder aussi hein, l'état des croisillons. Bon, ils sont tous toujours plus ou moins rouillés, évidemment c'est bien s'ils sont dans cet état là ça veut dire qu'ils ont été remplacés comment dire il n'y a pas longtemps. Là ici on voit le graisseur, les gens qui sont tout neufs. On va faire pareil ici à l'arrière. Bah là il va pas y avoir de fuite, hein, tout ça ça doit être sec en dessous. Pareil le joint au niveau du net pont, tout ça ça doit être étanche, et tout ça ça doit être béton de chez béton. Ensuite il faut regarder bon là ça commence à se dégrader parce que je suis allé faire le con tout à l'heure, mais voilà, donc voilà pourquoi il faut éviter d'essayer un véhicule d'inspecter un véhicule qui a roulé par temps de pluie, parce que là voilà typiquement ici si jamais j'ai une fuite comment dire d'huile de pont par le joint ici, bah je vais pas forcément la voir parce que là ici on voit qu'il y a des traces et ça il pourrait y avoir de l'huile derrière, on le verrait pas. Donc ça il faut vraiment regarder. Donc ça c'est pareil, les durites de frein il faut que ça soit en bon état. Bon là tout ça c'est un peu pourri parce que je l'ai pas super bien nettoyé aujourd'hui. Là-haut, on a le filtre à essence. Ben, voilà, il y a de la merde dessus, mais ça pourrait très bien être de l'essence en fait. Hein. Mais non, c'en est pas. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à sentir et à tout regarder. Ensuite, ben, l'échappement, c'est pareil. Il faut que ça tienne bien. Les câbles de frein, ben, bon, les miens, ils sont en bon état. Mais voilà, ici, c'est toujours un petit peu pourri et rouillé. Donc le pont, moi, j'ai la chance d'avoir un Chrysler 825, hein, c'est pas un Dana 35, donc ça c'est un pont qui est quand même vachement plus costaud que le Dana 35. Il est facilement reconnaissable parce qu'il a cette espèce de truc plan ici, il a une forme un peu bizarre, alors que le Dana 35 il est rond. Donc ça c'est vraiment un pont qui est super bien et beaucoup plus costaud que le Dana 35 qui lui est quand même assez fragile. Moi des Dana 35 sur le Cherokee j'en suis déjà à mon deuxième, donc après ça m'a saoulé, c'est bon quoi. Donc c'est pour ça que je me suis débrouillé pour essayer de trouver un pont de Cherokee beaucoup plus récent, et donc j'ai trouvé un Chrysler 825. Donc pareil de l'autre côté, hein, il faut pas qu'il y ait de fuite ici, hein, il faut pas qu'il y ait de liquide entre les caisses. Il faut aussi regardez les lames, hein. Donc sur les Cherokee d'origine, les lames elles ont évidemment tendance à avoir la même courbe, mais à l'envers en fait, ouais, elles tiennent pas la distance et donc elles s'affaissent complètement. Et ça fait que bah, le Cherokee en fait il tasse du cul. Et bon, je veux dire, visuellement, quand tu vois la dip, ça se voit tout de suite. Hein, normalement elle a le cul au moins au même niveau
que l'avant, voire légèrement un peu plus haut, mais sur les vieux Cherokee, quand les lames sont défoncées, bah, on a l'impression qu'il a le cuir qui traîne par terre et les lames sont horizontales. Donc ça, c'est pareil, c'est un truc qui peut vous aider à discuter du prix avec le vendeur, parce que bon, remplacer ces trucs-là, bon, c'est pas compliqué, hein. Il faut dévisser les brides de pont, dévisser la vis ici et dévisser les jumelles là-bas. Voilà, avec la langue ou sur Facebook, c'est facile, quoi. Mais en réalité, ici, tu peux être emmerdé, tu peux comment dire, péter la soudure de l'écrou qui est encapsulé ici, tu peux être amené assis ici à découper pour sortir l'écrou. Enfin bon, ça peut se transformer en une vraie galère et ça arrive souvent. Donc voilà, si t'as un Cherokee et que les lames sont défoncées, bah il faut faire attention, il faut savoir que ça peut devenir vraiment compliqué. Donc là ici on a dans le fond on a le réservoir avec la pompe à essence ici. Donc sur ces modèles-là, la pompe à essence elle est montée sur le flanc comme ça et elle plonge à l'intérieur du réservoir. Sur d'autres modèles plus récents, elle est carrément sur le dessus. Là ici on a les amortisseurs. Bah, évidemment il faut le Cherokee, les amortisseurs d'origine du Cherokee, bah voilà, il faut considérer qu'aujourd'hui, s'ils n'ont pas été changés, ils sont complètement morts. C'est pareil, hein, changer un amortisseur, c'est pas compliqué, hein, t'enlèves deux vis en haut et la vis ici derrière. Mais dans tous les Cherokee, quand tu défais les vis là-haut, elles pètent quoi. Il n'y a pas photo. Je sais pas ce qui se passe, il y a un truc de corrosion ou je sais pas quoi, où les vis sont trop fragiles. Et voilà, tous ceux qui ont changé les amortisseurs d'origine sur les Cherokee, ils ont tous eu ce problème. Moi, j'ai eu de la chance, je les ai défaits, elles sont venues, c'était pas rouillé, c'était nickel, enfin bon, bref, alors que je m'attendais à me retrouver en galère à cause de ces deux vis, quoi. Donc voilà, bon, pour le dessous, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Bon, il faut regarder l'échappement, il faut pas qu'il y ait de trou dans la tubulure d'échappement. Donc moi j'ai changé le silencieux parce que je sais plus pourquoi j'ai changé le silencieux. Enfin j'ai changé si j'ai changé toute la ligne, il n'y a que cette partie-là que j'ai récupérée. Et en fait j'avais cette partie-là qui était complètement percée, c'était du gruyère. Donc ça voilà, quand j'en ai parlé avec le vendeur, je dis voilà écoute, bon ta Jeep, je l'aime bien, mais voilà, faut que je refasse toute la ligne d'échappement. Il a fallu tout défaire en fait, voilà ici. Voilà, donc bah, ça c'est bon, c'est pas que ça coûte cher, mais c'est quand même pas évident à faire. Et puis voilà, donc j'ai dû refaire toute la ligne d'échappement pour pouvoir me présenter au contrôle technique et ne pas avoir de contre-visite. Donc voilà, ça ce tube ici, ouais, c'est pareil, s'il est d'origine sur un Cherokee qui date de 90, il y a beaucoup de chances pour qu'il soit complètement défoncé, percé. Donc voilà, ça il faut faire attention. Tant que je suis là, j'ai oublié d'en parler aussi, un truc super important. Les collecteurs des Cherokee, ils ont tendance à se craquer. En fait, ici, là, au niveau des jonctions où les tubes se rejoignent, voilà, avec la dilatation et les cycles thermiques, bah, en fait, c'est pas de la fonte, c'est de la tôle. Et évidemment, il peut y avoir des craquements qui apparaissent ici. Donc, c'est pareil, c'est pas compliqué, il n'y a rien de compliqué dans les Cherokee. Mais voilà, si au début, t'as pas les connaissances suffisantes pour déposer l'admission, déposer le collecteur d'échappement et tout remplacer ici, bah voilà, ça peut se transformer en. Donc voilà, maintenant on est à l'avant, on va regarder les rotules de direction. Donc sur le Cherokee, c'est un système en Y comme ça. Donc vous avez une barre de liaison ici, et ça c'est le pitman arm. Donc derrière il y a le boîtier de direction, et ça pivote comme ça. Donc voilà, évidemment, comme dans toutes les rotules de direction, bah, il faut pas qu'il y ait de jeu. Évidemment, ça doit bouger, mais il ne doit pas y avoir de jeu. Tout ça doit être pareil, ça doit être solide et béton. Donc là ici on voit qu'il y a de la graisse autour. Donc bon, ça veut dire que c'est un véhicule qui est entretenu, parce que la graisse a tendance à ressortir à travers le caoutchouc. Là c'est pareil de ce côté-là, ici. Voilà, donc il y en a une ici, une là-haut, pardon, une ici, une autre ici, là derrière la barre de liaison, et puis une dernière là. Donc là, voilà, typiquement sur celle-là, ici on voit que le caoutchouc est
Le caoutchouc est craqué parce que j'ai de la graisse qui est mélangée avec de l'eau. Je suis en train de filmer à côté, donc je recommence. Donc typiquement sur celle-là, ici, on voit que voilà, il y a un défaut, hein, le caoutchouc est craqué. Si le caoutchouc est craqué, la graisse sort et évidemment l'eau peut rentrer. Donc si tu fais du tout terrain, voilà, ça c'est une rotule qui va pas durer longtemps. Voilà. Donc là, quand je la force comme ça, ben, on voit qu'il y a de l'humidité. La graisse qui sort, donc voilà, celle-là, je dirais elle est encore bonne, mais voilà, forcément, il faut la surveiller et dans pas longtemps, il va falloir la remplacer. Donc voilà, ça c'était pour les rotules de direction. Maintenant, il y a un autre point super important sur le Cherokee qu'il faut vraiment surveiller, c'est ce qu'on appelle la track bar. En fait, la track bar, c'est la barre de Porard, c'est une barre qui est reprise ici sur le châssis et qui est accrochée à l'autre bout sur le pont. Donc cette barre, elle est très importante. C'est elle qui maintient le pont sous la Jeep. Si tu enlèves cette barre, quand tu braques avec les efforts qu'il y a dessus, pardon, tu as le pont qui va se déplacer et en fait ta Jeep devient inconduisible. Donc ça, cette barre-là, évidemment, sur un Jeep Cherokee, elle sera différente. Hein. Là, ici, enfin, c'est pareil, tu as une barre et puis tu as un truc avec une rotule ici, un espèce de support qui est fixé sur le châssis. Bon, ici, c'est pareil, tu peux avoir du jeu au niveau de la rotule, donc ça, il faut vraiment faire attention. Mais le point qui est super important, c'est le point de fixation ici. Chez Jeep, ils ont mis une toute petite vis de 10 mm M10 et en fait le trou dans le cylindre bloc de la barre de poids, il est un peu plus gros et en fait ça prend du jeu et puis ben, d'année en année, en fait à chaque fois ça met des coups de boutoir et en fait ça ovalise en fait le trou qu'il y a ici et la vis finit par prendre du jeu. Et donc quand tu tournes, évidemment, bah, avec les efforts, la vis ici, tu la vois bouger. Et c'est pareil ici, derrière de l'autre côté, hein, le trou s'agrandit. Donc évidemment, sur le mien, c'est modifié. Hein. J'ai une track bar qui est plus costaud. Tout ça ici, j'ai repercé. C'est des vis je sais plus, c'est du 14 ou du 16 mm. Enfin voilà, avec ça, je suis tranquille, ça bouge pas. Mais quand j'ai acheté mon Cherokee, ici j'avais plus un trou rond, j'avais une patate complètement ovale. Donc j'ai fait ressouder ici, ça se voit pas, mais j'ai fait ressouder une pièce en inox pour déjà donner une plus grosse épaisseur. Et ensuite j'ai repercé, j'ai mis une vis plus grosse. Mais voilà, ça c'est un des points, comment dire. Sur lequel il faut vraiment faire attention sur le Cherokee parce que voilà s'il a été beaucoup utilisé en tout terrain ou voilà si personne n'y a fait attention bah voilà 20 ans 30 ans après bah ici tu as du jeu et ça peut entraîner du death wobble ou d'autres phénomènes comme ça voilà enfin bon c'est jamais bon d'avoir du jeu dans la barre de poids. Donc ça c'était la barre de poids voilà donc avec une barre de poids aftermarket avec un boîtier comme ça qui prend de chaque côté évidemment le système est plus rigide et puis derrière j'ai une autre barre en fait qui est reprise sur ce boîtier ici et qui est reprise aussi sur l'autre côté du châssis. Donc ça sur les Cherokee d'origine il n'y a pas cette barre là hein. Ça c'est des trucs que j'ai rajouté pour que ça soit plus rigide. Parce qu'évidemment, 30 ans après, bah, tout ça, tout ce châssis, ça devient un peu mou, comme du chewing-gum. Et comment dire, au niveau de la direction, ça peut être un peu mou. Là, ici, pareil, au niveau du boîtier de direction, j'ai une barre de renfort en fait, qui est prise ici sur le châssis, qui prend le nez du boîtier de direction. Et il y a une autre barre qui reprend de l'autre côté, voilà, qui le reprend ici. Donc tout ça ici, ça a été bien renforcé, c'est bien, voilà, c'est bien costaud. Mais bon, sur un Cherokee d'origine standard, ici, il y a juste un boîtier, une rotule et une barre non réglable, évidemment, qui va ici à l'autre côté. Donc voilà, le dernier truc ici, c'est les cylindres blocs comment dire, pour les tirants de pont. Donc là ici sur le mien, là la vis, elle est bien centrée. Par rapport au cercle du cylindre bloc, donc ça veut dire que le cylindre bloc est pas défoncé. Si le cylindre bloc est défoncé, bah ici tu vas avoir un espace beaucoup plus grand, et donc ça veut dire que
l'axe du comment dire du cylindre bloc est défoncé et en fait bon voilà bref il est pas centré et donc ça c'est pas bon, il faut aussi surveiller ces trucs là, il faut que ça soit en bon état sinon c'est galère à enlever. Il y a même ici ce côté là pareil, il faut que la vis soit bien centrée dans le support de cylindre bloc, sinon ça veut dire qu'il est défoncé. Donc voilà, voilà, ça c'était les points importants à regarder au moment de l'achat de votre Cherokee. Donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires